Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild at Heart. J'étais en train de finir les coffres, les reliques et divers autres objets à récolter et à collectionner dans les diverses zones. Et j'ai tout simplement été dormir et on a un petit rêve. Donc on va voir ça ensemble. Donc c'est un rêve de Kirby. Le moment est presque venu. Je disparais. J'ai épuisé mes forces. Que dois-je faire? Vite. Il semblerait donc qu'on doive se dépêcher à lui ramener les artefacts. Et je vais vous montrer, il me reste juste les deux objets qui sont là, sauf que je peux pas y accéder de ce côté-là. Et je ne sais absolument pas comment j'ai fait pour découvrir ce bout de zone-là. Je vais essayer de retrouver, mais je vous avouerai que c'est un peu compliqué. Je vais finir ça en off et je vous retrouve pour placer les artefacts dans le catafalque. Ce mot magique, c'est ça, catafalque. Et on se retrouve après une ellipse temporelle. Donc j'ai fini l'intégralité des reliques dans eh bien, tout simplement la bonne trouvaille de Tas de Ferraille. Donc vous voyez, il a perdu la mémoire, donc il fait bienvenue dans ma boutique voyageur, qui est un chariot rempli de détritus, on dirait. Et du coup, dans Bonne Trouvaille, on a ici toutes les reliques, ce qui fait que Tas de Ferraille m'a donné le Vitapop. Que la force soit en vous. Dernière invention de Tas de Ferraille, ces gommes dernier cri fournissent à vos farfelins le mélange ultime de vitamines et minéraux 100% naturel pour faire le plein d'énergie et affronter toutes les situations. Ce qui fait que la force d'attaque de mes farfelins est définitivement augmentée. De la même manière, Cure-Dent nous proposait des chasses. Ils ont tout oublié. Elle me dit, vous avez réussi à éliminer les bêtes de ces bois affectées par le jamais. Même si je ne peux pas garantir que ce problème est définitivement réglé, ça ne devrait pas se reproduire de sitôt. Vous avez infligé une sacrée leçon à l'ennemi. Merci pour votre aide. Et pour avoir complété ces chasses, j'ai eu la rune du vagabond. Une pièce de technologie des anciens gardiens extrêmement rare. Cet appareil semble intégrer son propriétaire directement dans le réseau de déplacement sans recourir à un téléporteur. Cet objet soulève encore de nombreuses questions. Comment fonctionne-t-il? Pourquoi n'y a-t-il pas d'autre? Qui était le vagabond? Mais une chose est sûre, c'est et de loin le moyen le plus rapide de se déplacer à travers les bois sombres. Ce qui me permet du coup de me téléporter de n'importe où sur la carte. Enfin n'importe où dans le réseau de téléportation. Ce qui est encore un peu limité. J'ai presque réussi à tout acheter les améliorations. Il me manque juste une sève pour finir... d'acheter la dernière amélioration. Sachant que les sèves, on en a dans les coffres, et que j'ai normalement vidé la carte de tous ces coffres. J'ai fini par trouver comment accéder au coffre et à la relique qui était là. Tout simplement, par ici, il y avait un passage secret caché dans la grotte engloutie. Un petit objet à casser, bien planqué, qui permettait d'ouvrir le passage, de passer par là. Et une fois qu'on est passé, on débloque la rampe, qui est ici. Et donc du coup, normalement, j'ai fait tous les coffres. Il ne s'est plus resté un seul coffre sur cette carte. J'ai acheté les deux résines à 4. Et sauf erreur de ma part,
Il n'y en a plus. On va aller vérifier ça tout de suite. J'en ai également profité pour tout simplement améliorer tous les camps que je n'avais pas améliorés, hein, tout simplement en soufflant dessus avec le souffle qui peut. Je m'en veux vraiment beaucoup de ne pas avoir vu qu'il fallait souffler dessus depuis le début, enfin le truc de base, mais bon, je l'avais pas, je l'avais pas. Normalement, il n'y a plus rien à acheter chez elle. C'est ça, tout est en rupture de stock. Donc, on va pouvoir tout simplement, eh bien, nous téléporter grâce à notre super carte magique au bosquet. Et on va pouvoir, du coup, apporter les artefacts dans le catafalque. Je pense que je suis la plus près possible. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Sachant qu'on ne sait pas ce qui va nous attendre là-bas, mais on peut imaginer que le jamais va pas être très content de nous voir faire des choses, qu'on va aller dans le catafalque. Et on va voir ce qui nous arrive. Alors, avant, je vais quand même faire une dernière petite chose qui me manque pour mes petits succès, c'est appeler Cure-Dent. Salut, qui est-ce? Moi, Wake. Vous voyez, elle nous a oubliés, hein. Oh, désolé, je suis juste un peu confuse. Et je vais lui demander quel est cet endroit. Le catafalque de la sorcière Vette, l'endroit le plus sacré du royaume. Considérez-le avec toute la révérence qu'il mérite. Ah, je n'ai pas le succès, donc il semblerait qu'il me manque des zones. Je n'ai pas été où il fallait. Tant pis pour moi. Ah, tiens, là, du coup, un mini-camp. Et on va pouvoir, j'imagine, poser nos artefacts sur les trois présentoirs. Ah, il y a une page. Il y a une page du livre. Ok, et maintenant? Je me demande si ça ouvre. Il y a une page du livre juste à côté d'elle que j'ai jamais été prendre. J'imagine que oui. Un passage secret qui donne la chair de poule sous une tombe. Évidemment! Je crois que c'est là que se trouve le cœur du jamais. Kirby, si on descend là-dedans, on pourra peut-être pas, je sais. Mener dans la même galère, non, sauvons nos amis. Oui, prête? Pas vraiment. Pareil. Oui, c'est un peu ce que je craignais. Si on a des retours vers le nulle part. On récupère une page du livre. Et là non plus, ça ne m'active pas le succès, donc il doit me manquer des pages du livre. Ah, ça veut dire qu'il me manquerait encore des choses avant d'aller là-bas. Ça m'embête un peu. Parce que la sève, typiquement, je ne vais pas pouvoir l'inventer, hein. La sève, on l'obtient. Elle est rare, donc on l'obtient uniquement dans les coffres. Mais pour la science, on va sauvegarder, de toute façon. Voilà, on va vérifier notre inventaire. Notre sac à dos et plein de choses. Un petit peu de bouffe, un petit peu de machin, un petit peu de tout. Et puis, bah. On va y aller, du coup. On est prêt? Qui sait si on arrivera à ressortir une fois là-dedans? On descend? Bah oui, on va descendre. On ne peut plus faire demi-tour! Alors, du coup, est-ce qu'on peut... Non, voilà, on ne peut pas utiliser du coup... Voilà, c'était la dernière page du livre. On va du coup lire le livre, depuis tant que je vous le dis. Donc le livre, il a plusieurs fonctions. Déjà nous faire bestiaire sur les farfelins, sur les bêtes, sur les habitants.
Donc nous, les différents PNJ qu'on rencontre, et le livre. Il l'appelle livre. La missive ensorcelée de l'ordre hermétique de la garde verdoyante. Ma responsabilité, comme ils l'ont officiellement déclaré à Nevedoni. La mémoire des autres membres de Vergarde a commencé à s'effacer ces dernières années, et quand je me réfère au livre sous son vrai nom, même s'il faut bien reconnaître qu'il est plus tarabiscoté, leurs regards se voilent brusquement. J'ai décidé de leur dire simplement de l'appeler livre, ce qu'ils ont l'air de mieux comprendre. Le livre est le premier que j'écris en tant que scribe de cette branche des bois sombres, compilant les connaissances de base que nous avons sur toutes les créatures connues, entités et phénomènes magiques. Je compléterai mon exemplaire d'entrée relative à cette branche. Chapitre 2. La ville de Val-de-Saulx. Val-de-Saulx, la ville humaine la plus proche. Récente au moment où j'écris ces lignes. Peut-être 200 individus d'après les derniers renseignements de flots venant de Nevedoni. Un campement de bûcherons que nous trouvons tous assez dérangeants. La sorcière verte a exprimé ses inquiétudes quant à leur site qui pourrait un jour créer une brèche dans la barrière des bois sombres. Pour une fois, je dois admettre que je suis d'accord. Mais quelles mesures prendrons-nous si cela devait arriver? S'ils venaient à voir les choses que nous tenons à l'abri de leurs regards, s'ils découvraient la chose que nous leur cachons. Elle dit qu'elle a un plan. Pour autant, cela ne me réconforte pas. Chapitre 3. Les bois sombres. Une chose que je n'ai jamais comprise, même quand j'ai posé la question au meilleur des Nevedoni, c'est pour quelle raison le bois introduit des choses du monde extérieur. Elles apparaissent comme ça, sous forme de tas et de piles, comme des déchets. Tadferaï ne semble pas s'en préoccuper. Il s'est même donné pour mission de disséquer et de remanier ces choses. Cela dit, une de ses dernières découvertes me plaît assez, une petite table accompagnée d'un disque noir qui, quand il tourne, produit une musique agréable. Ce doit être une nouvelle invention du monde extérieur, pendant que avance et que nous demeurons ici dans un temps distordu. Je me demande depuis quand. Chapitre 4. Le maître de ces bois. La sorcière verte est un titre décerné à une personne, le maître d'une branche des bois sombres. Via une cérémonie appelée onction, la personne reçoit un objectif via un rituel magique et est désignée matrone du branche des bois sombres, quelque part dans le monde. S'il s'agit d'un immense honneur, les conséquences n'en sont pas moins terribles. La sorcière verte lie son âme à la magie des bois sombres, à tout jamais. À sa mort, elle accède à l'ascension et fait partie intégrante des bois sombres, veillant dessus pour toujours. Je fais une petite pause pour boire et je reprends au chapitre 5. Parce que ça donne un peu soif de vous lire tout ça. Chapitre 5, mon vieil ami. Grimanteau. Mon compatriote, avec qui j'ai voyagé depuis Nevedoni. Quand nous sommes arrivés, cette branche comptait uniquement la sorcière verte et quelques membres de Vergarde pour veiller sur tout un bois. Je me suis installé comme le scribe résident, tandis que Grimanteau a été nommé adjoint de la sorcière verte. J'aimerais qu'il arrête de se plaindre. À peine étions-nous arrivés aux abords du bosquet qu'un Vespognac a attaqué l'ourlet de son manteau et le lui a arraché, l'emportant dans les airs en gloussant. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère. La sorcière verte lui en a cousu un nouveau juste pour le faire taire. Mais encore maintenant, je le vois regarder son manteau de remplacement et secouer la tête d'un air morose. C'est comme ça que Grimanteau a perdu son manteau gris. Chapitre 6. Bricoleur hors pair. Je ne sais pas comment communier le rire dans un journal autrement que par une onomatopée. Alors sachez juste qu'au moment où j'écris ces lignes, je ris. Il s'est coincé la tête dans une bouilloire. Il a plongé la tête la première dans un tas de camelotes à coin bois. Quand il en est ressorti, il s'agitait et jurait de consternation. Mais après avoir lutté un moment et dans un soupir étouffé, il a semblé accepter qu'elle ne s'enlèverait pas. Comment peut-on même accomplir un tel exploit? On devine très bien de qui il s'agit. Chapitre 7. L'alchimiste et la pie. Cet alchimiste vient de Nevedoni, en compagnie d'une pie. Allez savoir pourquoi. Il lui parle souvent, et de ce que je comprends, elle lui répond. Quoi qu'il en soit, ils sont talentueux et veillent l'un sur l'autre. Mais maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vu dormir, ni même enlever cette tenue d'alchimiste. Étrange. Chapitre 8. La dame au chat. Ah, litière. En général, nous la laissons avec ses félins. Elle a peu à offrir, je le crains, sauf si criée de manière abrupte, absurde, à une quelconque valeur. Quand ils ne sont pas perdus, ce qui arrive la plupart du temps, ces chats récupèrent parfois des objets de valeur dans les bois.
Personne ici, pas même Flo, ne semble en savoir beaucoup sur ses origines. Toutefois, j'ai un exercice télépathique qu'elle m'a rapporté, avec un air surpris, que je lui ai rarement vu, que la femme était très très vieille. Quant à l'odeur, c'est une question d'habitude. La chasseuse. Notre dernière recrue a eu la malchance de tomber sur le seigneur Guetjamet près du récif. Elle y a perdu un œil, mais apparemment pas son appétit pour la chasse. Il lui a fallu que quelques jours avant de retourner chasser. Je lui ai demandé si elle aimerait un peu de compagnie, et elle a rechigné, comme je m'en doutais. Outre Grimanteau, elle est peut-être celle que je respecte le plus ici. Chapitre 10. L'homme qui venait du ciel. Il y a quelques jours, une machine est arrivée du ciel, tanguant, gémissant et fumant. Flo l'a laissé entrer, a-t-elle dit, pour que nous puissions l'aider. Il porte une tenue que je suppose militaire et s'est blessé pendant le crash, ce qui l'a rendu muet et apparemment amnésique. Après avoir appris tout ce qui se passe ici, les secrets que nous cachons aux yeux du monde, le choc que cela a provoqué chez lui, et après avoir réussi à le convaincre d'ouvrir la porte du chariot de tête ferraille dans lequel il s'était retranché, il commence à s'habituer doucement à la situation. La sorcière verte lui apprend un rite magique ancestral que les scribes utilisaient autrefois pour communiquer avec les autres boissons à travers le monde. Je vais scroller un peu. Nous lui avons donné un nom, et quand nous lui avons proposé, il a fait un grand sourire et a haussé les épaules tout en pliant une autre feuille. Avion en papier, tel est son nom. Les idiots de Fouge Royale. C'est de là. Je comprends absolument pas pourquoi on les envoyait de Fouge Royale, ni pourquoi on les a acceptés dans l'ordre en premier lieu. Je n'ai pas grand chose à dire, si c'est que je les ai éloignés du bosquet pour plusieurs raisons. En vue d'accomplir des missions spéciales qui varient entre trouver 12 scaracornes dorées pour terminer une couronne pour la sorcière verte, qui ne sera jamais faite, ou gagner la faveur des 3 picus et obtenir les dents des dracoons. Des choses impossibles, bien sûr. Mais hélas, l'un d'eux s'est dansé. Nous sommes sauvés. Chapitre 12. Mon nom est Poche Profonde. Je suppose que, puisque je prends des notes sur cette branche de l'ordre, je dois, pour la postérité, me décrire moi-même. Je fais partie des rares à ne pas être affectés par la consommation de souvenirs qui se produit après une exposition proche et prolongée au jamais. C'est-à-dire que je me souviens de mon nom, mais après qu'un ami l'a oublié et m'a affublé d'un nouveau nom, j'ai choisi de l'adopter. « Vous avez des poches sacrément profondes !» me dit-il avec un regard perplexe, tout en essayant de se souvenir. Scroller aussi. « Je suis le scribe désigné par Névédoni pour cette branche des bois sombres, Val de Saône. Mes responsabilités consistent à répertorier les événements, personnes et créatures de cette branche. Il s'agit là de la première assignation de notre quartier général, et j'ai à cœur d'y exceller. Mais je dois admettre que certains de mes compatriotes peuvent se montrer pénibles. » Je rebois une petite gorgée d'eau et on attaque le chapitre 13. Il s'agit de Bâtonnet. Désignée par Névédoni, la sorcière verte de cette branche de Val-de-Saule, Flo est son nom. Et elle est une des rares à en avoir gardé le souvenir. Même si elle préfère qu'on l'appelle Bâtonnet. Surnom qui lui était donné en raison des gardiens enchantée qu'elle crée à partir de bonhommes en bâton. Elle sculpte les personnages à l'aide d'un atame, dont la lame est en gibéon, un matériau ne venant pas de ce monde. Tout dans sa voix et son attitude est doux et bienveillant, mais je sens une grande tristesse en elle. C'est probablement lié au fardeau qu'elle porte, une chose que nous connaissons, nous autres, mais que nous préférons ne pas nommer. Je me sens écartelée, j'aimerais la réconforter, mais... pourquoi je ressens tout ça ? Chapitre 14. À la rue, poursuite du voyageur. Même les archiscribes en savent peu sur les anciens gardiens. Mais une chose est sûre, ils n'étaient pas humains et ne venaient pas de la planète Terre. Ou en tout cas, pas du même plan que les humains. Au tout début de l'ordre, les anciennes missives à Névédoni laissaient entendre qu'il y a longtemps, à l'époque où l'humanité n'en était qu'à ses balbutiements, les anciens gardiens étaient arrivés sur Terre, depuis un monde extraterrestre ou extradimensionnel. En ce temps-là, le jamais, ou le voyageur, comme les anciens gardiens le désignaient souvent, sévissait de manière incontrôlée dans le monde entier. Avec le temps, les anciens gardiens réussirent à confiner le phénomène du jamais dans des endroits spécifiques isolés par la magie du reste du monde. Les anciens gardiens surveillèrent ces lieux alors que la civilisation humaine se développait autour d'eux.
et les gardiens se mirent à constater que beaucoup de créatures magiques du monde étaient attirées par ces endroits, peut-être pour essayer de fuir les avancées intrusives de l'humanité. Avec l'appétit du jamais pour ces créatures magiques, les anciens gardiens réalisèrent que ces êtres souvent sans défense devaient être protégés. Pour suivre un calendrier cosmique, ou pour toute autre raison qui nous depuis inconnue, les anciens gardiens ne pouvaient pas rester sur notre plan terrestre pour toujours. Sachant qu'ils allaient devoir bientôt partir, ils se mirent à instruire des humains particulièrement doués dans le monde entier, leur apprenant les lieux secrets isolés du reste du monde, les créatures magiques et les lieux soins à leur apporter, et les dangers que représentait le jamais. Beaucoup plus tard, ces groupes de nouveaux bergers s'unirent sous l'ordre hermétique de la Garde Verdoyante, plus communément appelé l'Ordre de Fergal. Chapitre 15. Ombre l'été. Au sein de chaque branche des bois sombres se trouve un lieu sombre, inconnu même de la sorcière verte et de nous tous. Son catafalque surmonte son entrée. Un endroit qu'un jour elle habitera. Une mesure supplémentaire pour garantir que même dans la mort, et la forme qu'elle prendra après, elle pourra continuer à endiguer les eaux comme un gardien éternel. Ombre l'été. Une supposition vu qu'aucun membre de Fergal n'y est autorisé abriterait une fosse bordée, percée de sceaux et protection ultime de la magie mystérieuse des anciens gardiens. Au fond repose le jamais, paralysé, projetant son esprit des extensions infâmes de lui-même à la surface lorsque le soleil se couche. Chapitre 16. Pour Flo. Tu n'as de cesse de m'avertir de ne pas le faire. Je suis un imbécile, je le sais. Je n'ai pas réussi à me poser la question. Je ne le pourrai qu'une fois que ça sera fait. Je dois le voir pour savoir. J'aimerais croire que c'est pour toi que je le fais, pour nous tous. Pour notre enfant à naître. Je reviens, je promets. Et du coup, chapitre 17. Se meut un voyageur tourmenté. Sous la barrière du catafalque de la sorcière verte se trouve Ombre l'été, la prison du jamais. En entrant dans ce lieu maléfique, je me retrouve face à la stèle de Zibeline, une énorme tablette en plière sur laquelle une inscription ancestrale fait office de dernier avertissement à quiconque irait au-delà. Si la langue des mots gravés sur cette pierre noire, la langue des anciens gardiens ne nous est plus connue, les anciens textes de Nevedoni proposent une traduction. Prenez garde et éloignez-vous. Derrière ce lingot se meurt un voyageur, tourmenté, une gueule avide, confinée. Sa terre est nulle part, son nom est jamais. Si seulement je pouvais jeter un œil au jamais dans son intangibilité stygienne, je pourrais peut-être le décrire plus précisément. Peut-être qu'en le désignant, je pourrais deviner comment le réprimer. Je suis arrivé jusque-là, je pourrais être le premier à revenir. C'est interdit, Flo me l'a souvent rappelé. Pourtant... Eh ben, tout cela est très intéressant. Vous avez normalement reconnu... sur les premiers chapitres, chacun des personnages qu'on a pu rencontrer et du coup savoir, puisque c'est Poche Profonde qui nous écrit ce journal, comment Poche Profonde est tout simplement allé dans le jamais et revenu en temps pas tout à fait lui. Je me rends compte en avançant que j'ai absolument pas pris tous les types de farfelins. J'espère que ça le fera. On va continuer à avancer. Ah bah, on me propose de manager mes farfelins, je vais faire ça tout de suite. Je sais absolument pas ce qu'il me faut. Je vais donc prendre un équilibre. Et on va aller voir ce qu'on a. Vous n'avez pas pu résister. Nous sommes ici pour vous arrêter. J'étais déjà ancien alors que les étoiles naissaient. Je suis éternel. Que vous soyez né hier ou il y a un siècle n'a pas d'importance. C'est fini. Ah, petite, comme c'est bon de vous revoir. Ces courtes années de votre vie ont été rythmées par une seule chose, n'est-ce pas? Votre désir lancinant de vous enfuir dans les bois. Dites-moi, comment avez-vous réussi à entrer ici? J'ai suivi Weck dans les bois et à travers l'arbre.
Le passage était fermé. J'ai demandé à l'arbre de me laisser passer et il l'a fait. Kirby? Grimanteau a dit que seule la sorcière verte pouvait ouvrir et fermer la porte des bois sombres. Tout à fait correct, petit gardien. Seule la sorcière et sa progéniture peuvent ouvrir et fermer la porte. Grimanteau a dit qu'elle avait eu un enfant, qu'elle avait caché dans notre monde. C'est moi. La sorcière verte était ma mère. Peut-être que je l'ai toujours su. Ça veut dire que Poche Profonde est mon père? Et vous voyez maintenant quel piège je vous ai tendu? J'ai étouffé son pouvoir. Les bergers sont réduits à des coquilles vides. Je vais me débarrasser du corps de ce vieillard sans force. Je vais prendre le tien, petite sorcière. J'ouvrirai alors la porte comme bon me semble. Je serai libre. Oups. On ne vous laissera pas faire. Petit gardien, je crains que votre utilité ait expiré. Bon débarras. Miam. Un boss de fin comme il faut. Qu'est-ce qu'on a? On a le jamais qui nous poursuit. On a deux espèces de poches profondes. On a plein de petits champis à manger. J'aurais peut-être dû prévoir plus de bouffe. Et on a cette putain de jauge. Bah, allons-y, écoutons. Je vais mettre une piopiote. Quand même un peu. Je peux le tuer. On a subi quelques dégâts malgré la loupiote. Ok. Ça n'a pas l'air d'être très utile. On va essayer de se débarrasser de ça. Je sais que j'ai pris pas mal de loupiotes. Je peux me permettre d'en mettre un peu partout normalement. C'est ça, chaque fois qu'on va vaincre un poche profonde, ça va le faire. Le souci, c'est que du coup, j'ai surtout l'impression d'avoir un peu douillé au niveau de mes farfelins. Il y en a un qui glande là. Viens avec nous. On peut le buter? On peut le taper dessus? On peut le taper dessus, tout simplement. Allez-y, les gars! Ah oui, j'aurais peut-être dû prendre un petit pouvoir d'invulnérabilité. Non! Oups. Attends, il est costaud celui-là. Ils sont costauds, ok. Ils rajoutent des blobs. On a un petit peu de renfort qui arrive. On va utiliser un petit tonique et on va foncer là-dessus. De ce côté-là, on est plutôt pas mal. On va buter ce champi. Quand même, ça serait mieux. Tu vas où, toi? Pourquoi j'en ai que 24? Merci, les gars. J'ai pas l'impression que la lumière soit très efficace. Hein. On voit les veilleuses à perdre très vite leur... leur possibilité. On va réutiliser un tonique. Et on va également utiliser un petit tonique de puissance. Je vois qu'on est un peu dans le mal. On va manger. Ok, ça donne de l'armure qu'un seul. C'est dommage. On va dire c'est mieux que rien. Butez-moi ce crapaud. Butez-moi. Poche profonde, c'est bon.
Voilà. On tape, on tape, on tape. Vous pouvez pas taper. Vous pouvez pas taper. Ça veut dire que j'ai pas tout buté. Il faut. Ah, il y en a un troisième, poche profonde. Ok. Je peux le taper. Oui, je peux le taper, c'est bon. Il tape. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un tonique pour les envoyer tous là. Et vous tapez. Non, mais vous... Il nous en rebute bien. Ça n'arrivera pas! Pas encore! Putain, il nous a emprisonné notre Kirby. Elles sont les renforts. Ils sont là. Venez tous les renforts. On a besoin de vous. J'ai besoin de Kirby aussi, mais... D'abord, on va déjà essayer d'avoir besoin de vous. J'ai plus de loupiote. Ok, j'ai plus de loupiote. Butez-moi ce blob qui nous gêne. Kirby est bon. Kirby était... Oui, Kirby était... Kirby a été... Revenez. On y va avec un tonique résistant. Parce que le feu, c'est une saloperie. Voilà. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de farfelins qui viennent nous aider. La mauvaise, c'est qu'il y a des monstres à gérer en plus. Gérez-moi celui-là, tapez-le. Il est passé où, proche profonde? Il est passé là, il y a le jamais, on va l'éviter. Il y a ces saloperies. Butez-moi celui-là. Il nous bute nos farfelins. Allez, poursuivez-le, poursuivez-les. Ils se sont mis en tas, poursuivez-les, poursuivez-les. Oui, je sais, on est absolument plus nombreux, je sais pas où vous êtes les autres. Il y en a un qui est là. Celui-là est mi life. Allez, on l'attaque. Venez tous, faut que je me soigne. Manger, 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 manger. Venez, venez tous, venez tous. On vient, on vient, on court. On va par là. On attaque celui-ci. Allez, il doit en rester. On va pour le taper là. Je prends le champi quand même parce que je peux le taper. Oui, je peux le taper. Tapez-le alors. Tapez-le, je vais manger mon pom-pom, mon fruit fétide. C'est pas un pom-pom celui-là. Je vois maintenant que j'ai fait une erreur en vous laissant ensemble. Oh, ouais. Wake! Pourquoi vous battez-vous? Je pourrais faire de vous un dieu dans ce royaume. Je pourrais vous donner un pouvoir inimaginable. Et vous n'avez qu'une chose à faire. Arrêtez. Ouais, mais t'as tué Wake là. Non! Va-t'en! Oh!
Ma mère s'appelait Flo. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas lui prendre son nom. C'était son plan depuis le début. Moi, et Wake, et vous. Je comprends maintenant. Parce que je suis la sorcière verte. Je suis éternelle. Et on retrouve Wake dans un rêve, dans un cauchemar peut-être. Hein? Papa, c'est de ma faute. J'ai été égoïste. Maman est tombée malade. Elle est morte. Et je t'ai accusé de tout. Mais toi aussi tu souffrais. Tu avais besoin de moi. C'est toujours le cas. J'ai besoin de te dire que je suis désolée. Rentre à la maison, mon fils. Wake, tu vas bien? Je crois, oui, c'est fini. Tu crois qu'il est mort? Je sais pas s'il peut être tué. Quelle étrange vision j'ai eue. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène dans un endroit aussi sinistre? J'ai une tâche urgente à accomplir et ce n'est pas un endroit pour les enfants. Kirby, c'est... Oui. Bonjour. Bonjour petite, comment vous appelez-vous? Kirby. Enchanté. On se connaît? Pas encore. Bon, je crois qu'on y est. J'imagine que oui. Merci d'avoir ouvert le passage. Pas de problème. Ça va aller? Je pense, j'ai des amis. Wake, je suis désolée de t'avoir traité d'andouille. C'est bon, je me suis comportée comme une andouille. Surveillez votre langage. Ok, alors, à bientôt. Bien sûr, je suppose que je pourrais te laisser entrer, si tu veux me rendre visite. Ce serait chouette. Grimanteau, j'ai été ravie de vous rencontrer. Ce fut un honneur, maître Wake. Kirby? Je suis très fière de toi. Oh. Madame, pensez-vous que nous verrons maître Wake? Probablement. Et voilà ce qui clôt donc l'aventure. Voilà comment tout s'est fini. Voilà, les petits secrets ont été dévoilés. L'aventure est finie. On va du coup s'arrêter hein, puisqu'il n'y a plus rien à faire. Et en tout cas, moi, le jeu m'a plu. Je vous avouerai que je l'ai dévoré. L'histoire, les personnages. J'ai vraiment tout aimé. Et j'espère que c'est votre cas également. On va se laisser tranquillement avec le petit générique de fin. Je pense qu'on n'aura pas de petites surprises à la fin. Mais on va quand même le regarder jusqu'au bout. Parce que c'est bien le genre de jeu à nous laisser un petit message, un petit truc, petite surprise à se mettre sous la dent.
à la fin du générique. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier à la fois les développeurs de Moonlight Kids et les éditeurs de Humble Games pour la clé qui m'a été offerte et qui me permet aujourd'hui de vous faire ce let's play qui vient de s'achever. J'ai pas l'impression qu'on va avoir de petites gourmandises à la fin. Et ça en fait un paquet de personnes qui ont travaillé sur le projet. Que ce soit côté Moonlight Kids ou côté Humble Games. Avec en plus la traduction française. Vous voyez, il n'y a pas que du français. La traduction française était clairement de qualité et ça fait plaisir d'avoir ce genre de petit jeu avec un français de qualité. Oh, c'est mignon, naissance de production. Eh bien non, du coup, c'est la fin. Ça y est, c'est fini. Et on n'a pas eu de petite gourmandise. En même temps, ça en appelait pas forcément une. Et du coup, on va se laisser là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis bye bye.